Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est vidéo de présentation de mes achats chez Bigumi. Alors juste avant, j'ai fait une vidéo donc, parce que vous allez me voir avec ça pendant toute la vidéo forcément. Donc si vous voulez vraiment savoir pourquoi, vous allez voir dans ma vidéo qui s'appelle Explication Storytime. J'ai fait une vidéo sur ça. Et donc voilà, parce que comme je consacre la vidéo entièrement là, cette vidéo là entièrement à Bigumi, je vais pas revenir là-dessus. Voilà. Donc Bigumi c'est quoi? Alors en fait c'est des suites et aussi des tout simplement des combinaisons. D'ailleurs j'en ai acheté une. Des combinaisons avec des designs assez marrants, des designs vraiment trop mignons. Et en matière vraiment peluche, en matière toute douce. Il y a aussi des accessoires. Par exemple, notamment un bonnet avec reliefs et une écharpe. Une couverture, enfin des couvertures où on peut rentrer complètement dedans, comme des sacs de couchage. Après, je pense que c'est bon. Si j'ai oublié des trucs, de toute façon, je mettrai le site en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Il sera en barre d'infos. J'essaierai de faire le lien comme d'habitude. Hein. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Sur la base, parce que j'ai déjà préparé quelque chose sur moi. Ce que je vais vous présenter. Alors, c'est la veste. Parce que j'ai pris une veste et une combinaison. Donc ça, c'est la veste. Trop mignonne. C'est le tigre. Trop chou, oui. Franchement, je l'adore. Alors, en fait, il est comme ça derrière. Je sais pas si vous arrivez. Je sais pas si vous voyez en fait. Parce que moi, je le vois pas. Je suis cachée derrière. Donc, il est tout bleu marine. Petites oreilles, on les voit dépasser. Chou et en fait il a et dedans il est comme ça. Attendez, il est vraiment tout matière peluche de partout. Je viens d'avoir mal à la main, tout va bien. Aïe. Donc ici il y a l'étiquette Bigumi, donc là elle est bleue, sur l'autre elle était rose forcément. Ici c'est du rose, la tête du petit tigrou avec les oreilles roses. Les manches, le bout il est donc toujours avec la petite ouverture pour passer le pouce, rose. Le bout du gilet il est rose, enfin de la veste elle est rose. La, comment dire, la fermeture elle est rose et elle est très grosse comme le premier. Enfin, comme toujours ici, Bigumi, les gilets, c'est des couvertures, j'allais dire. C'est des fermetures toutes, toutes géantes. Quoi. Je trouve que c'est super génial. Et ici, nous avons le logo. Nous l'avons pas sur le premier, mais là, on l'a. Et il est en matière. Je sais pas si vous allez entendre. En matière caoutchouc. Donc au passage, si vous entendez la télé, c'est le zoo à la télé. Hein. C'est une saison au zoo. Je sais pas si vous connaissez, sur France 4. Enfin bref. Donc il est comme ça. Et les trucs pour fermer les capuches sont... la capuche, pardon. Sont roses avec les petits cœurs. J'arriverai pas à le tourner, parce que, en plus j'ai trop mal à la main, c'est pas possible. Voilà, bon, je montre à l'envers, mais voilà. Il se marquait Bigumi dessus. Ensuite, on a la combinaison, forcément. Combinaison qui est motif zèbre, donc je la passe un peu en emmêlage parce qu'elle est très grande.
Donc on va essayer de trouver la tête du zèbre. Voilà. La tête du zèbre. Vraiment trop chou. Regardez-moi ça. J'adore, j'adore. La crinière. Magnifique crinière. Le ventre. Je vais souvent vous montrer le ventre du zèbre. Regardez le ventre du zèbre. Voilà. Et le bout des manches, il est tout un peluche, toute douce. Et pareil, il y a le truc pour passer les mains. Pour passer les pouces. Donc ça, c'est parfait. J'adore. Le bout des jambes, il est comme ça. Attendez, j'essaie de le ressortir. Parce que forcément, quand je l'ai enlevé, ça s'est enlevé en se rétractant. Mais bon. Oh, désolé, j'ai pas eu le temps. Avec la nuit horrible que j'ai passée, c'est normal. Donc voilà. J'adore. Franchement, c'est tout doux. Comment on peut ne pas. Franchement. Comment on peut ne pas aimer ça? Mais franchement, c'est top. Et donc sur la manche, ici, il y a marqué Bigumi. Voilà, le logo. Toujours matière caoutchouc. Donc, franchement, je vous recommande ce site. Si vous cherchez des gilets ou des... des vestes ou des... des combinaisons pour le soir. Franchement, je vous le recommande à 200%. Il est top. C'est pas un partenariat. Hein. J'ai payé mes articles. Enfin, je les ai achetés, je les ai payés. Franchement. Et je ne suis pas obligée de faire ma vidéo. Bigumi n'est pas au courant que je fais une vidéo sur eux. Je ne suis pas obligée de faire une vidéo. Mais j'avais envie de la faire. J'avais envie de partager mon avis sur Bigumi parce que c'est vraiment une grande découverte et une super belle découverte pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bye!